Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Magic the Gathering Arena. Et cette fois, on est arrivé au rang or. Donc je vais lancer mon premier combat. Donc j'utilise toujours le deck rouge parce que c'était plutôt une réussite. Le blanc m'a permis d'atteindre le rang argent niveau 3 et puis d'y stagner. Et puis par contre, le deck rouge, il m'a permis d'atteindre le rang niveau or niveau 4. Donc je vais continuer à utiliser ce deck rouge parce que je sais pas jusqu'où je peux aller. Alors effectivement, j'ai les cartes de base du jeu. J'en ai gagné quelques-unes, mais vraiment très peu. Donc on va continuer, puis on verra bien ce que ça donne. Allez, hop. Oh, celle-là, elle est bien. Elles sont pas mal, ces cartes-là. C'est pas mal du tout, je garde. Je garde, je garde. Mais celle-là, à chaque fois que je mets un terrain, il a plus 2-2, ça c'est vraiment... Alors qu'il a un de coup de mana, donc c'est toujours embêtant pour l'adversaire. Super carte pour jouer au début, ça, vraiment. Alors, pas de bol, c'est lui qui commence, donc... Ah, il a pas posé. Je suis très étonné. Ah, je vais poser l'insecte, et puis je vais l'attaquer tout de suite. Hein. On va attendre. C'est de l'affaiblir, j'ai 3 terrains. Je vais pouvoir mettre le match. Non, les créatures contre viennent 2-0. Ok. Ouh, le tyran des lignes de lait. Alors, si je mets 2, ça fait 4 et 3, ça fait 7. Je mettrai plus tard. Poser, hein. Alors là, il faut que j'y aille. Alors, on va y aller parce que on va commettre ça. Ensuite, si, je sais pas. Que je pourrais le mettre le coup d'appel avec 3, j'aurais 5. Ok, ou le mal fulminant. Le chic de nature, je mettrai après. On va mettre le tyran. Ouais, et il faut que le prochain coup je le gagne. Voilà. Il va poser du lourd et il attend quelque chose. Ok. Ça sert à rien parce que je vais l'attaquer avec je ne sais pas combien de créatures. Ça, le plein feu. Là j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Oh, allez, je mets ça. Allez. Comment il va se défendre là? S'il a un sort dans son jeu qui lui permet d'avoir lui et puis un autre. Ok. Refusé, de toute façon j'ai pas de. Il ne reste plus qu'un point de vie. Bon, tu as quand même plein de possibilités de l'avoir son. J'ai un terrain, j'ai un smash, il va poser quelque chose mais aussi. Un truc mais ok, il va falloir qu'il pose hein, parce que sinon de toute façon quand lui va arriver je vais lui enlever un petit contact mortel, si je veux on verra.
Bon, c'est chaud patate là. Bon, comment c'est pour ça? Plus ça. Voilà. Et puis, on attaque. Un point de vie, je vais quand même l'avoir. Voilà, première victoire en or, c'est beau ça. Ah, j'aurais pas cru. Ah, c'est énorme. Mais je sais pas jusqu'où je suis capable d'aller avec, avec ce deck en fait. Et puis c'est bien parce que ça me fait des victoires, de l'expérience, des crédits, enfin je gagne dans tout. Donc je continue à évoluer dans le jeu, je vais peut-être pouvoir débloquer d'autres boosters, d'autres. Je vais peut-être avoir des cartes encore plus performantes. Donc c'est vraiment super intéressant. Hop, donc on va récupérer les petites récompenses. Jouer 25 terrains et gérer 500. Des sorts bleus ou noirs, bon bah on laisse tomber parce qu'on fait pas de deck bleu ou noir. Et là, 650 pour 1000, ok. J'ai 6650 pièces d'or, c'est pas mal. Hein. Et puis on va continuer. Donc premier combat. Or, je continue. Je pensais pas m'en sortir aussi bien en fait. En niveau or. Alors je sais pas si en perdant là, bon là faudrait que je perde 3 fois de suite. Je sais pas si on retombe au rang argent en fait par contre. Parce que là j'affronte des adversaires qui sont maintenant or. Centroclasme. Ah oui. C'est pas mal. Ouais ça c'est pas mal, plein feu, ok. Oh, ok, j'ai un bon petit deck, bon j'ai que deux machins, mais que deux terrains par contre. On va voir. Voir ce que ça donne. Ah, j'en ai un troisième, bah, c'est parfait. Je sais pas si. Ou alors je le laisse poser. On va voir. Ah, deux fois ça. Ça c'est... On va voir comment je vais gérer. Ah ouais. Juste pour ça, il m'envoie un sort. D'accord. Ok. Alors. Deux blessures à chaque créature. Bon. Voilà, on va mettre le dévastateur en fusion parce que je vais pas prendre de risque. Par contre, j'ai que 3 terrains donc. Des cartes qui sont hors normes. Ok. Ok, ok, ok. Début de votre étape, exilé jusqu'à une autre créature cible, vous pouvez envoyer cette carte sur le champ de bataille. Après, on va activer, on va l'attaquer. Hein. Je vais faire perdre un peu de points de vie, mais il faudrait que j'ai un terrain, ça serait pas mal. Ok, 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 ok. On va pas prendre de risque. On
général le prochain coup. J'ai gardé un choc et j'ai centroclasme. Donc je peux jouer les deux en un coup. Donc deux blessures à chaque créature. Donc c'est pas grave, moi j'ai 4 en défense. Après je lui mets le choc et on va voir ce que ça donne. Il y a 3-4 dans son jeu. Oh purée, ça j'avais pas prévu ça. Oh mince. Ok. Ok, maintenant il faut que je détruise son truc là parce que... allez, on y va. Ça, ça va être compliqué. Bon, ben pas d'attaque. Ah zut, j'ai pas prévu ça. Je peux pas défendre, donc... Quoi, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai plus que 5 points de vie? J'ai dû rater un épisode là, mince. Bon, j'ai perdu 6 points de vie là, j'ai perdu, je comprends pas trop. Bon, allez, on arrête. J'étais à 8 points de vie et je suis tombé à 5 points de vie. J'ai pas compris. Bon. J'avais pas prévu ça. C'est la joie des jeux. C'est pas de bol parce que il pouvait pas poser plus d'une créature et dans cette partie, malheureusement, j'arrivais pas à tirer mes gobelins. Donc j'aurais eu ma multitude de gobelins avec le plus 2 d'attaque. Là, ça aurait été. Je pense que je l'aurais battu. Mais là, je pouvais rien faire en fait. Il m'a contrecarré mes sorts, il a bien joué, il a posé les cartes qu'il fallait pour contrer mon petit jeu qui était pas fait. Il aurait fallu que j'ai une multitude de cartes en fait. C'est dommage. Surtout le dévastateur en fusion quand il me l'a enlevé, ça faisait mal parce que là j'aurais pu faire beaucoup avec. Bon, c'est pas grave, hein, on continue. Allez, un autre combat. Déjà, ça fait plaisir de pouvoir faire des combats au rang or parce que les adversaires ils sont quand même beaucoup plus forts et on n'est plus dans le même level là. J'ai choc, vortex bouillonnant. Vortex bouillonnant, faut que j'enlève, faut que je mette des petites créatures à la place. Allez, on y va. J'ai le dévastateur en fusion. Des terrains comme ça, ok, bon faut que j'y aille parce que... Ah j'aurais dû faire le contraire, de toute façon ça sert à rien. On va mettre ça. Je
Ça, il est pas mal, je pense, crâne. Ok. Contact mortel en plus. Oh, bah, là, bon. Je vais utiliser mon choc là parce que. Je vais attendre. Ça sert à rien. J'en ai un autre. C'est encore mieux. Voilà, ça rééquilibre un petit peu. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux pas. Ah là là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Allez, on va mettre les capacités. L'affaiblir. Voilà. Ok, alors là, chaque fois qu'une autre créature arrive sur ou lui. Celle-là elle est vachement bien. Ok, je fais quoi avec ça moi? Allez, faut la faire bien là. Une belle victoire. J'aurais pu l'achever avec les vortex bouillonnants en mettant deux les vortex. Bon. Il a rien pu faire, je l'ai étouffé, je lui ai empêché de jouer en fait. J'ai détruit ce qu'il a posé et ce qu'il voulait construire et moi j'ai pu poser. J'ai l'impression qu'il manquait de terrain à un moment. Donc puisqu'il avait posé que deux terrains en fait. Moi j'ai arrivé, j'avais plus lourd et donc je l'ai eu assez facilement. C'est une belle victoire pour moi. C'est bien, je coupe cette spirale de défaite, j'avais fait deux défaites de suite. Bon bah je suis plutôt content d'avoir fait une victoire. Et on gagne encore un peu de récompense. Alors, bon, ce que je vais faire, j'y pense jamais. Je vais l'enlever, la fameuse carte que j'ai deux fois dans mon deck. Parce qu'en fait, je m'aperçois que j'ai peut-être fait 50 combats à peu près avec le deck rouge. Et sur les 50 combats, en fait, ça m'a aidé à gagner un seul combat. Donc cette carte, pour moi, elle me sert à rien, en fait. Alors, elle est où? C'est le centre classe. Ah, mais je l'ai qu'une fois. Non.
Non, c'est ça, vortex bouillonnant. Voilà, j'enlève les deux, ça me sert à rien. Par contre, centroclasme, je vais voir. Faudrait que je mette deux petites cartes à la place. Celle-là, elle est pas mal, parce que si j'ai le plus 2... Bon, on va aller voir. Choc, j'en ai 4, je peux pas. Non, ça m'intéresse pas. Alors. Qui a bloqué ce tour-ci ? Deux terrains, c'est pas cher, c'est pas mal. Ah, je la joue plus, elle. Ça c'est pas mal quand même, elle gagne plus 2 d'attaque, mais je cherche quelque chose. Le voleur de nid, ou alors je rajoute deux voleurs de nid. Ouais, on rajoute ça. C'est agressif, c'est. Il est vraiment chiant à jouer. Hein. Ah. Celle-là, elle me plaît pas mal aussi. Hein. Allez, je vais la tester, j'en mets une. Valeur de nid, ce qui est intéressant, c'est qu'il attaque tout de suite. Il a célérité, en fait. Allez, on prend un autre voleur de nid, la glande d'Amélie, l'englou de sort. Après, c'est vrai que les sorts, je les joue rarement. Après avoir eu 3 terrains, donc. Est-ce qu'elle va m'être utile? Parce qu'il faut avoir moins 3 terrains pour la poser. Bon, ça vaut le coup de tester. Allez, de toute façon, j'enlève les deux autres cartes qui me servent à rien. J'ai quasiment joué tous mes combats avec 58 cartes en fait. Allez, c'est parti, un nouveau combat au niveau art. En tout cas, finalement, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Ah, j'ai choc, centroclasme. Bah, il faut que je joue, je vais tenter ça. J'ai que deux terrains, mais j'ai un choc et centroclasme. Mais j'ai un dévastateur en fusion aussi. C'est bon. On va l'attaquer.
pas jouer. Ah bon? Terrain, mais il en a pas non plus. Oh, joli. De deux cartes. Son prêtre, hein. Alors, allez, on va poser un autre terrain. Bon, j'ai un peu chiné. D'accord. Sacrifier une créature. Eh ben ça va être compliqué. Ouais, bon bah là faut y aller parce que... Alors... Retour, ça doit être rapide. Ouais, compliqué.
Sûr si un jour, enfin si, un seul autre. J'ai une carte. Ouais, j'ai ça. C'est une petite chance. Un peu moins. Ça va être plus compliqué là. Allez, vas-y. Balance la sauce. Pas joué à grand chose, mais ok, j'avais pas prévu ça. Bon, bah, c'est une défaite, c'est pas grave. Moi, je veux essayer de faire des combats, victoire, défaite, et puis de voir où ça va. Le truc c'est d'apprendre aussi des défaites. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'avoir, j'étais pas très bien concentré sur ce combat. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour gagner, est-ce que j'ai pas fait quelque chose qu'il fallait pas, mal joué, Alors Cerbère, voleur de nid, oh, c'est parfait. Bon, par contre il y a du lourd, mais ça peut me permettre d'attendre, d'avoir 4 terrains disponibles. Ah, ça va être compliqué si je tire pas les bons terrains. Il va falloir tirer du terrain quand même. Hein. Aïe 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 aïe, toujours pas. Là, après je vais coincer au tour d'après.
Ah bien. Allez, on va mettre ça. On va continuer à attaquer. C'est pas mal pour l'instant. Si je tire un terrain là, je suis bien. Je suis très très bien. Ok. Je suis un peu moins bien. J'ai pas eu de terrain. Le terrain, le quatrième, il va être important parce que vu toutes les créatures que j'ai en 4, j'ai même ça. 6 blessures à n'importe quelle cible. Oh bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Il me faut ce foutu terrain. Aïe 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 aïe. Ok. Un petit terrain, pitié. Ah, j'ai choc. Compliqué là, compliqué, compliqué. C'est vraiment pas de bol, hein. Cette histoire de terrain, c'est vraiment, vraiment pas de bol. Ouais, de toute façon, je parlais pas. Là. À chaque fois qu'un adversaire pioche, il y a une carte. Ah bah j'ai perdu là. C'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Oh, il reste que 4 points de vie. C'est dommage, c'est vraiment une défaite dommage. Je suis dégoûté. Bon bah j'ai gagné quand même de l'expérience et puis ben un booster. Donc bon, on verra après pour les autres. 7250, je continue, c'est pas mal. Je suis à des 7250 pièces d'or. Je vais être un peu plus chanceux au tirage. 3 terrains, ok, ok, c'est parti. Chaque fois que vous lancez un sort, ok. Bon, ouais, effectivement, je peux pas mettre au début, mais. Il faudra un quatrième terrain là, parce que. Oh là 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 là! Si j'arrive à poser toutes ces cartes avec ce quatrième terrain et que je mets le plus 2, ça va faire mal. Toujours pas de quatrième terrain. Ça se goupille plutôt pas mal. Si ce n'est que j'ai pas de quatrième terrain. Qu'est-ce que j'ai du mal à tirer des terrains là, ces derniers combats, c'est vraiment n'importe quoi.
15. Oh là là. Bon. Il faut que j'achève le coup d'après là. J'ai choc, j'ai ça, j'ai 4 terrains, donc ça devrait être bon. Il n'y a plus que 10 points de vie, il faut que j'ai juste 4 créatures qui passent. Allez, c'est parti mon kiki. Donc on va commencer par ça. Allez, on va commencer par ça. Quoi ? Après ça. Voilà, et puis on attaque avec tout. Oh, c'est une grosse victoire ça. Très grosse victoire. J'aime bien quand ça fait comme ça. Bon, ça a un peu planté, j'ai été viré du jeu, donc je viens de me reconnecter. Je sais absolument pas si ma victoire a été prise en compte ou pas. Voilà, ça plante complètement. On va lancer un autre combat, on verra bien. Je sais pas si ça a été pris en compte. Un peu déçu que ça soit pas pris en compte parce que j'ai fait une belle victoire. J'ai 4 terrains, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça va être compliqué. Ouais, ben. Je vais me faire étouffer par mon propre jeu. C'est énorme ça. Bon. Il commence fort lui, hein. Il y a que des trucs assez irrités. Eh ben, et je tire que des terrains. Alors ce coup-ci j'ai que des terrains, ça me sert à rien. Pff, oh, c'est pénible. C'est génial ce qu'il a tiré le gars. Je fais comment pour m'en sortir avec ce truc là? En fait j'ai perdu, bon c'est même pas la peine de jouer. Ah, on arrête tout de suite. À tirer avec des terrains, je peux même pas me défendre, donc
Ah, la victoire d'avant, du coup d'avant, a dû compter, je pense. Ouais, bon bah ok, super. Ouais, son but en fait, en mettant que des trucs comme ça, des petits trucs, c'est d'attaquer le plus vite possible. Allez, on refait un combat. On va pas s'arrêter là, c'est pas grave du tout de perdre des matchs. Allez, on va garder. On est plutôt bien équilibré. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. J'ai deux voleurs de nid, donc c'est plutôt pas mal pour attaquer agressivement. Si c'est moi qui vais être agressif. J'ai deux montagnes, j'ai rassemblement de Goma, ok. Si je tiens un x2, ça peut être pas mal parce qu'en 4 coups, je peux l'anéantir en 4 ou 5 coups. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Il cherche à monter son truc, mais il en a qu'un, sauf que moi j'ai plein de petits trucs, donc... C'est bien parce que je pourrais l'attaquer à chaque fois, même s'il m'en détruit un, j'en aurai d'autres qui passeront. Alors... Mais c'est pas grave, j'en ai plein d'autres.
super sort. Bon, il ne reste plus que 7 points de vie par contre. Ok, donc choc plus voleur de nid. Je vais lui faire mal. S'il m'attaque, il est mort. C'est fini. Je vais lui mettre choc pour le détruire lui. Puis voleur de nid pour remettre sur le terrain. Ah bah on va tout utiliser ça. J'ai mal joué. Mal joué, mais j'ai mal joué. J'aurais dû détruire sa créature, attaquer avec les autres. J'avais plus de créatures. J'ai trop mal joué. Je fais n'importe quoi. Je suis déçu. Je fais n'importe quoi. Je lui donne la victoire là. Sur ce coup-là. Sort sur lui et puis voilà. Ouais, ben. Alors j'ai 5 terrains. J'essaie de rattraper mon erreur, mais ça va être compliqué, je crois. Gagne un point de vie, c'est pas le moment. Aïe 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 aïe. Il faudrait que j'ai le plus 2 pour m'en sortir. Là, le plus 2, ça peut me sauver la mise, mais si je l'ai pas. Bon, bon, bon.
sert à rien, j'ai perdu tout à l'heure sur mon erreur, je suis déçu. Je vais donner la victoire, j'ai fait n'importe quoi. Eh ben, j'en perds beaucoup, et là, vraiment, je suis pas concentré, ça m'agace un petit peu. Bon, allez, on va pas rester là, on va voir, on va continuer. On va lancer un nouveau combat, parce que j'ai pas envie de m'arrêter à une des défaites qui se suivent. Tirer des cartes qui m'intéressent. J'ai un jeu varié, mais en ce moment je suis moins en réussite au niveau de du tirage. Anomalie, ok, ok, bon. Trois terrains, choc. Okay. Allez, c'est à moi de commencer en plus. Ah super. Bon, j'ai la chance de commencer surtout parce que chaque fois que vous lancez un sort, mettez un. Là c'est pas mal parce que j'ai un sort. Donc en premier je vais mettre l'anomalie en glou de sort. C'est un primordial. Le phénix immortel. Allez, on va mettre celle-là. Voilà. Puis là, au prochain tour, je vais pouvoir gagner. Pouvoir augmenter la puissance de cette carte. Oh, magnifique! J'en ai encore un, si j'ai le plus 2. Ouais, d'accord, ok. Ça va être compliqué. Je réduis au silence lui rapidement parce que sinon ça va être compliqué, très compliqué. Oula. Ça met du lourd. Et moi je manque de terrain. Aïe aïe aïe. Ça va être compliqué là, faut que. Voilà, oh là 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 là. Bon. Pas le choix, allez. Voilà. Mais je fais comment si à chaque fois il a un truc et qu'il meurt pas?
C'est dans les défaites, ça. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Eh ben, quelle galère. Now is the time to strike. Je me complique au bout, j'ai plus de terrain, donc là s'il m'attaque... Ça va être compliqué. Très compliqué. I will guard your advance. Perdu, mais bon, je tente. Allez, c'est pas la peine de continuer, on va arrêter parce que ça sert à rien. On perd son temps pour rien là. Bon, encore une défaite. Ah, ça commence à me gonfler. Je tire pas les bonnes cartes. Je suis encore un rang or là, mais vraiment au ras des pâquerettes. Bon, une nouvelle défaite, je sais pas combien j'en suis de défaite, mais de toute façon à chaque fois que je fais une victoire j'ai deux crédits, quand je fais une défaite j'en perds deux, donc j'ai forcément perdu deux fois plus de matchs que j'en ai gagné, pour être retombé au même niveau qu'au départ.
différent, c'est que j'ai gagné quand même un peu d'expérience, un peu de crédit, bon, bref, ouais, mais... En fait, le centre au classe, puisque je pose des petits pour le jeu, il me sert quasiment à rien. On va voir... Super. Ça va être compliqué maintenant. Si je peux, si il me bloque lui. Allez hop, un de moins. Il m'en met un autre, mais bon. Compliqué là. Terrain et je peux mettre le, lui et ce serait pas mal là. Je suis un peu coincé là. Bah, lui aussi il est pas mieux que moi hein, mais pour m'attaquer là il est coincé mais j'en ai un autre. Ok, super. Après... Ouais, faut y aller. On va prendre des risques et puis...
Faut que j'attaque parce que... Chaud patate hein, quand même. Oh. Ah, il est monstrueux lui. Je peux plus rien faire là avec ça. Qu'est-ce que je fais? Il reste sur 4. C'est compliqué là. Ouh là 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 là, je sais pas quoi faire. Non, il peut attaquer lui, je crois que c'était qu'elle la défense. Bon. Non bah je peux plus jouer, c'est plus la peine. Aïe aïe aïe. En fait, il reste bloqué pendant combien de tours là? En fait, j'ai perdu quoi, je peux rien faire. Bon, allez, j'arrête, encore une défaite. Ça devient n'importe quoi là, franchement, c'est saoulant. Oh là là! J'ai pas l'impression que je redescends au rang argent. Reste en or, mais bon, j'enchaîne de les défaites quoi. J'aimerais bien pouvoir jouer quand même.
Ouais, allez, on va refaire un combat. En fait, le niveau or, c'est pas que c'est plus. Oula, 4 terrains. C'est pas que c'est forcément plus dur, c'est juste que les adversaires ont des jeux avec des cartes qu'on peut pas avoir. Juste comme ça, il faut acheter des boosters, voilà. Dès que je tire pas un semblant de carte ou un semblant de jeu qui va dans un sens, c'est compliqué parce que derrière je suis coincé quoi. L'air de 4 blessures. Bon, j'ai des bonnes cartes là pour l'instant, même si ça, on va voir. Je pense pas que ça soit un danger pour lui. Mais il va falloir quand même que je commence à lui faire perdre des points de vie. Ok. Je fais comment pour... Ok. Là pour l'instant je peux lui faire 26 de plus, donc je vais voir ce qu'il va faire. Bon. Il regroupe ses points de mana pour faire quelque chose. On va voir. Donc ça c'est vrai que je peux les utiliser après. Ok. Voilà, 4. Ah ouais, quand même, comme ça direct. Sortir si je le fais pas. Bon ben j'ai pas le choix. Ok. Ben, j'ai pas le choix. Je sens que ça va être compliqué. Il amène du lourd assez vite avec des transformations et combinaisons. Donc faut que je mette le dévastateur en fusion. Le tour d'après, j'ai pas le choix. Ah, il va recommencer. Et... Oh, 3-3 direct. Oh là là. Contact mortel en plus, oui, super. Non.
Faudrait que je l'attire lui à m'attaquer. Le dévastateur en fusion. Parce que derrière j'en ai un autre. Donc il a posé, il a plus que deux cartes dans son jeu, il a posé ça. Pas si bien barré que ça. Hein. Il peut pas trop m'attaquer parce que je vais pouvoir me défendre. Ok. On va voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce que je fais? C'est pas grave. Mon tour. Ok. Fait attendre. Il a tout mis sur le tatami, là, on va dire. Ok. Qu'est-ce que je fais? Attaquer, on verra bien. Je joue encore un dévastateur en fusion. Créature de moi. Alors. Ouais. Je crois que le prochain tour, il faut que je fasse quelque chose. Aïe, ça te chaud, patate. Il n'osera pas m'attaquer, c'est compliqué. Faut que j'enlève le contact mortel.
Allez, on y va. Vous êtes point de vie. J'ai cité un. Oh purée! Oh, c'est quoi ce sort? Et en plus, il a plus rien lui non plus, donc. Attaquer avec ce truc là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais il me bloque tout! Pff, oh, c'est dommage! Et là, j'ai plus rien. C'est fou ça, je suis coincé, j'ai plus rien, je peux plus jouer. Il m'a bloqué ma créature principale et puis bah lui il met. Qu'est-ce que je peux faire moi? Moi je tire que des terrains. C'est quand même pas de bol. Pfff. Ah bah là ça change tout. Compliqué hein. Voilà. Wow. Eh ben... C'est compliqué, hein. Oh, il a abandonné. Pourtant, je pouvais plus le toucher. Ouh, bon, je vais m'arrêter là. Je suis toujours au niveau or, mais... C'était ma première vidéo expérience au rang or avec pas mal de combats. Pas mal de défaites. J'ai fait une ou deux petites erreurs dans certains combats. J'aurais peut-être gagné en faisant pas ces erreurs. Mais là, je vais m'arrêter là. C'est plutôt satisfaisant. Et puis je suis content. Je continue d'avoir un nombre de pièces qui monte. Je continue d'avoir plus d'expérience dans le jeu. J'apprends. Je continue à jouer. J'ai essayé d'améliorer mon deck avec une ou deux cartes en plus. J'ai enlevé d'autres qui me convenaient moins.
Et je trouve que c'est plutôt intéressant, voilà. Donc je continue mon apprentissage. Et hop, 100 épisodes, 25 d'expérience. Ouais, je suis à 7450. Mon objectif, c'est quand même 20 000 pour Noël. Voilà, les amis. Toujours aussi intéressant. Puis vraiment, c'est très addictif comme jeu. Donc je crois que je vais pas m'arrêter de sitôt. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.